la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, de bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Ce soir, émission très spéciale, hein. Mon générique qui s'est coupé tout d'un coup. J'étais surpris par la fin de mon générique, hein. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on reçoit la bienheureuse du terroir. Bonsoir Esther. Oui, bonsoir Malcolm, bonsoir les auditeurs et bonsoir Victoire. Alors, donc, bien sûr, je suis pas tout seul, hein, je suis bien sûr avec Sampali Victoire. Bonsoir, Victoire. Bonsoir, Malcolm. Bonsoir, la bienheureuse et bonsoir, tout le monde. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui est important. Esther, il y a quelques semaines, on a appris qu'il y avait une pénurie de manioc à Libreville. Alors, ça m'a forcément interpellé. Et puis, on s'est parlé en inbox, hein, et tu m'as dit que tu étais en train de travailler sur un projet d'autosuffisance alimentaire. Et comme je suis absolument nul en français, j'ai voulu savoir ce que ça voulait vraiment dire, cette histoire d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que déjà, un, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire l'autosuffisance alimentaire? En quoi ça consiste? Comment on fait pour y arriver? Donc voilà, donc comme tu es une spécialiste, et apparemment tu travailles même là-dessus, donc je t'ai appelé pour que tu viennes un peu nous expliquer exactement ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire et comment on peut y arriver. Voilà. Donc voilà, donc on commence tout de suite l'émission. Je rappelle à tous les auditeurs, hein, je vous salue, un grand salut à vous tous, à ceux qui sont en train de se connecter. Alors, merci de partager le live, hein, je ne peux pas partager. Audrey, Nancy, Schmidt, bonsoir à toi. Snobinar, Zoé, bonsoir. Merci de partager le live, je ne peux pas le faire.
Ou peut-être que si, non, je ne peux pas le faire. J'ai l'interdiction de partager mes propres lives. Donc si vous pouvez le partager, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc on est parti pour une bonne trentaine de minutes avec Esther, la bienheureuse du terroir, qui n'est plus à présenter, hein, la bienheureuse du terroir qui vient souvent sur notre plateau. Hein, Esther, donc juste pour rappeler, tu habites au Canada, c'est bien ça? Oui. Ça fait 2 ans que je vis maintenant ici, mais pendant 8 ans, pendant 9 ans, j'ai été agricultrice en France D'accord, donc et commerciale là-dedans, consultante également, vu que notre exploitation faisait aussi du consulting. on peut dire que tu es une experte du sujet dont on va parler maintenant là. Oui, j'ai beaucoup travaillé là-dedans et nous étions inscrits dans une démarche éco-responsable dans l'économie circulaire. Donc, hormis le travail, nos passe-temps, c'était surtout d'aller militer dans les associations, lutter contre la faim, savoir comment aider les personnes dans les pays en voie de développement à devenir autonomes, c'est-à-dire la construction de maisons autonomes avec les éléments qui vont avec, c'est-à-dire ton potager et comment recycler les eaux. Donc, c'était beaucoup plus pointu que uniquement l'autosuffisance alimentaire. Et donc, ici, maintenant, au Canada, je suis venue parce que j'ai plusieurs domaines d'expertise et que, voilà, comme je suis une vendeuse à chiffres, ben les multinationales aiment ça et j'ai été directrice donc adjointe pour une multinationale française ici et j'ai démissionné. J'ai fini depuis le 31 décembre. Je me suis mise à mon compte en tant que consultante et puis aujourd'hui également, je travaille pour un centre de formation à temps partiel et le reste du temps, je m'occupe moi-même de mes propres contrats, ce qui me permet depuis quelques semaines de dégager du temps pour répondre à des problématiques que je trouve assez aberrantes venant du Gabon. Voilà. Alors, la bienheureuse du terroir, la bienheureuse du terroir, notre invitée ce soir sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. On va aborder maintenant le thème pour lequel tu es là ce soir, Esther, l'autosuffisance alimentaire. Franchement, pour nous les nuls, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, l'autosuffisance alimentaire, quand on parle de ça au niveau d'un État, c'est la capacité à un pays, en fait, à répondre à ses besoins de consommation, aux besoins de consommation de ses habitants. Lorsqu'on va parler, par exemple, d'une famille qui est autosuffisante au niveau de l'alimentation, c'est qu'elle arrive à produire elle-même ce qu'elle consomme. Et Et donc, oui, oui. vas-y, vas-y. Donc, atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau de l'économie, on peut voir ça d'un niveau global. Donc, se dire, il faut que ce soit l'État qui prenne des mesures pour que tous les habitants, pour qu'il y ait un secteur de grande culture tellement développé, comme on a vu au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, c'était surtout ça. Les États européens se sont réunis et ont décidé que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il fallait que les agriculteurs puissent produire énormément les aliments, les constituants des aliments de base, donc les matières premières. Et comme ça, eux, ils devaient vendre ça moins Marshall, cher, c'était donc surtout en ça. dessous de la véritable valeur. Et ensuite, l'association des États, on va dire l'Union européenne d'aujourd'hui, là, voilà, leur donnait une sorte de compensation pour ce qu'ils perdaient, pour le manque à gagner. Ça, c'était leur politique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui fait partie de la PAC, qui est aujourd'hui une problématique parce qu'ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire Alors et que. là, tu nous perds déjà. La PAC, qu'est-ce que c'est la PAC?
C'est la politique agricole commune, c'est-à-dire que là, j'explique d'abord juste les deux façons d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, si on rappelle, pour tous ceux qui nous suivent, parce que là, tu vas trop vite, Esther. Toi, tu as une tête pleine. Nous, on n'a pas dépassé le CP1. Donc, en clair, tu nous dis déjà, pour bien comprendre, que ce contexte, ce concept d'autosuffisance alimentaire, on le voit de deux manières, soit à l'échelle d'un État, soit à l'échelle d'un foyer, en réalité. C'est ce que tu nous expliques. Et tu nous dis qu'il y a donc des organisations, des groupes, des pays, etc., qui ont mis en place des choses pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et tu nous prends l'exemple, par exemple, de la PAC, qui est la politique agricole commune, mais de l'Union européenne, c'est bien ça. Voilà. Donc, quand on voit qu'il y a des crises là-bas, c'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs vont toujours produire moins cher et l'Union européenne leur verse la PAC, donc la subvention du manque à gagner. Par exemple, 70 000 euros, 80 000 euros l'année. C'est ça. Bon, ça, c'est leur politique qu'ils ont eu à mettre en œuvre pour arriver rapidement à l'autosuffisance alimentaire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc chaque pays met en œuvre des politiques pour s'adapter et répondre au plus vite, au mieux aux besoins de sa population. Au Gabon, on a eu des tentatives de cela, sauf que la politique agricole au Gabon est souvent plus tournée vers l'export, c'est-à-dire aller dans le secteur des grandes cultures, mais qui n'ont aucun bénéfice sur les Gabonais, à savoir le café, le cacao par exemple. Donc en clair, si j'essaie de traduire pour les gars qui habitent à Kinguélé, c'est qu'au Gabon, on fait n'importe quoi, quoi. C'est ce que tu m'expliques. C'est-à-dire qu'en fait, on a privilégié le café, le cacao, au lieu de privilégier, par exemple, la banane, le manioc, ou ce genre de choses, quoi. C'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'on choisit les secteurs de grande culture d'abord pour répondre aux besoins de la population et pas parce que on a des accords avec tel pays. Et on va produire ceci ou on va nous voir sur la scène internationale. C'est comme vous dans votre maison, Malcolm. Vous allez d'abord nourrir les gens de chez vous, je veux dire, au lieu de chercher déjà à répondre aux besoins somptuaires du voisin, parce que le café, le cacao, c'est même pas un besoin nécessaire pour les États qui consomment le café et le cacao. C'est une friandise, on va dire. Donc, c'est une aberration. Alors donc concrètement, la bienheureuse, donc tu nous dis qu'effectivement les États se sont organisés pour essayer d'être autosuffisants sur le plan alimentaire, mais est-ce que nous au Gabon, tu nous parles d'une tentative de en tout cas on va dire que l'État a privilégié certains secteurs, mais enfin quand même, Ali Bongo Ondimba a lancé le programme Graines. Est-ce que ça ne participait pas à l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que c'était pas un peu ça l'idée en fait? Sûrement que ça a pu être ça l'idée. Je ne peux pas jeter du discrédit, mais on dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Si moi je veux aider une personne, je le ferai très bien, j'irai jusqu'au bout. Donc je ne peux procéder que par analogie. Quand je vois que ce projet n'a pas été jusqu'au bout, je me dis, dès le début, il y avait déjà des carences. Tu sais, tu regardes. Moi, je vais regarder un peu en spécialiste de la question. Et je regardais ça et je me disais, on va voir où ça va aller. Parce que dans la pratique, il y a, comment on va dire, il y a comment on emmène le sujet. S'il y a beaucoup de politique derrière, beaucoup de fracas, j'ai envie de dire, le succès n'a pas souvent besoin de publicité, de fracas, de ceci. Si on met plus, on a une belle idée et on met plus en valeur l'humain plutôt que les actions, attendez-vous à ce que ce projet-là ne marche pas. C'est pourquoi je le dis souvent aux gens, pour tout ce qui va être les partages que je vais faire là, vous ne verrez pas mon visage parce que la star, c'est le partage, c'est la connaissance, c'est ce que je voudrais vous dire et tout le monde sera concentré uniquement sur les PowerPoint ou PDF que j'aurai à présenter et les questions-réponses. Donc le projet Graines est parti sûrement d'une bonne idée, mais malheureusement, voilà, l'écrin dans lequel c'était n'était pas forcément propre ou approprié. Alors, donc, on a compris que
pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, il faut que les États s'organisent. Mais alors, si toi tu commences à t'intéresser au sujet, c'est que peut-être qu'il y a une défaillance de nos États, la bienheureuse du terroir. La différence de nos États, c'est dans plusieurs domaines, hein, Malcolm. On va pas le refaire. Comme je le dis d'habitude en inbox à certaines personnes, c'est un choix que j'ai fait de mettre en place la page publique, donc la Bienheureuse du Terroir, qui est complètement apolitique, parce que je trouve que les politiques, parler de la politique, ça perd du temps. J'ai souvent été indépendante, libérale. Moi, je viens même du secteur social libéral. Je suis entrepreneur et ça forge aussi ma mentalité, travailler la terre et tout ça. J'ai pour habitude de ne pas m'occuper franchement des États et de ce qu'ils font, mais partir maintenant de la deuxième manière d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'accord? C'est-à-dire, on va choisir comment on veut être fatigué le soir quand on se couche. On peut parler de l'État, là, on va refaire le monde, c'est comme ça. On connaît tous les réalités. Donc, au lieu d'attendre quelque chose de l'État, à mon niveau, j'appelle tous les Gabonais à se concentrer sur ce que eux ils peuvent faire individuellement et qu'aucun policier ne va venir les arrêter. Ils ne vont pas connaître les crimes rituels s'ils vont à la plantation ou quoi que ce soit. C'est d'avoir un potager derrière chez vous et même sur une petite surface, c'est complètement possible de baisser de 70% votre budget alimentation pour une famille de 5 à 7 personnes. Alors, donc justement, comment tout cela est possible? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te diront, mais la bienheureuse, on n'a pas les moyens de faire des potagers. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un axiome. C'est devenu un axiome, un postulat. On doit sortir ça comme un algorithme gabonais. On n'a pas les moyens. Qu'est-ce que j'ai vraiment horreur de ça. Ah, mais tu sais que nous, les Gabonais, c'est comme ça. Quand on lance une idée, on dit on n'a pas les moyens, la bienheureuse. Donc, comment on fait Au pour lieu de se répondre à cette concentrer question de on n'a pas les moyens? Donc, on au lieu de t'écoute. se concentrer sur les difficultés, personnellement, je ne sais pas. C'est sûrement la souffrance que j'ai connue au Gabon qui m'a forgée d'être orpheline, mais j'ai toujours appris que j'ai toujours vécu avec des difficultés. Donc quand la difficulté est là, c'est pour faire ressortir ton génie créateur. Quand un voleur, il veut voler chez vous là, vous aurez beau avoir les chiens, la barrière, quoi que ce soit, ça va se faire. C'était comme ça à Kébé, c'était comme ça à Nzeng. Donc vraiment, je dis, au lieu de c'est une mentalité qu'on doit adopter. Tout le monde doit l'adopter. Quand il y a une difficulté, on ne se concentre pas sur la difficulté. On regarde la difficulté et on voit comment est-ce que notre cerveau qui a réussi à inventer des avions, tout ça, peut nous faire surpasser cette difficulté. Alors, la bienheureuse, maintenant, sans palier victoire, une question pour toi. Merci, Victoire. Oui, ouais, juste. Je suis d'accord lorsque vous dites en fait que l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, qu'on arrête en fait de toujours vouloir mêler la politique à l'autosuffisance alimentaire ou encore à l'agriculture. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice dans le domaine. Chacun doit faire sa part en fait. Je suis bien d'accord avec vous. Mais un petit bémol, c'est que l'agriculture est quand même liée au développement dans le sens où le paysan va faire une culture vivrière, mais après, il faudra qu'il achemine son produit. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Comment il fait, en fait? Ok. Alors, du temps de nos ancêtres, pour moi pas très longtemps, ma grand-mère, quand j'allais au village, puisque mon père tenait tellement à ce que chaque été on aille au village, chaque grande saison sèche, on va dire, moi, j'entendais jamais parler de pauvreté. J'entendais jamais parler de politique ou de quoi que ce soit. La grand-mère, elle avait son potager derrière chez elle. Il n'y avait pas d'électricité chez elle. On avait une lampe tempête. Et les gens qui allaient, donc on va dire en ville, à Okandja, nous ramenait de l'essence, du pétrole de temps en temps. Par contre, il ne manquait pas à manger. Elle avait son fumoir dans sa cuisine à l'extérieur.
Derrière, elle avait son potager, mais beaucoup plus loin, elle avait sa plantation. Mais au moins, si elle était malade, elle avait l'arthrose, les maux aux articulations, elle savait qu'à côté de chez elle, à portée de main, elle avait sa nourriture. Donc, déjà, je veux dire, on va essayer de reculer dans le bon sens. Il y a que les problèmes qui me parviennent en inbox, c'est que même les personnes qui me disent pourquoi veux-tu que les Gabonais fassent des petits boulots? Ou bien il y a suffisamment d'argent pour que on ne soit pas obligé de faire telle ou telle chose. Ou bien moi j'ai besoin d'argent parce que sans les Sao Toméens qui réussissent à faire ça, ils ont la main verte. Ou bien un Burkinabé. Mais avant d'arriver à la politique, essaye déjà de produire ce que tu peux manger toi-même. Il n'y a pas besoin de route là. C'est-à-dire derrière chez toi là, les fruits, les légumes poussent derrière chez toi. Si tu te dis, je prends un budget peut-être de 50 000 francs, je ne sais pas combien coûtent des graines. Moi, je sais combien ça me coûte ici, je sais combien ça coûte en France. Donc, je sais qu'avec 100 euros, j'ai des graines vraiment énormes. Tu peux les prendre pour mettre tes fruits qui vont te donner la nourriture pendant 6 mois, 6 à 9 mois. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'être replantés et qui vont toujours continuer à donner. Tant que c'est là, tant que c'est en terre, ça va continuer à donner. Donc, moi, aujourd'hui, mon propos, ce n'est pas de refaire le Gabon, c'est-à-dire aller étape par étape dans un raisonnement structuré et logique. On commence par ce que l'on peut faire. Si vous voulez aider une personne là, vous n'allez pas lui dire, allons, je sais pas, on va courir 2 km. Dès le début, la personne va dire, ah non, moi, je ne peux pas. Mais tu lui dis, non, on va courir là, on va faire 100 mètres, ok? Vous arrivez là, vous discutez un peu, et tu lui dis, tiens, tiens, on a fait 100 mètres, c'est super. Alors, je pense qu'on peut rajouter encore 150 mètres. Et c'est comme ça qu'on va y aller. Si on regarde trop loin, avec la sociologie gabonaise, ça va te décourager. Parce que entre les années 60 et 2019, il y a eu une véritable rupture épistémologique dans la manière de penser gabonaise, dans les représentations sociales liées au travail à la terre, les représentations sociales liées à la notion de petit boulot. Plus de 70% de la masse salariale au Gabon est fonctionnaire. Ce qui est pour moi aussi une aberration. Ça ne participe en rien à notre essor à tous vers la félicité. Et c'est comme ça que, on va dire l'État, mais en 98, il y a eu une élection présidentielle, et puis Mobondo et ses partisans ont demandé aux gens de sortir. Mais Paulette Missambo était ministre de l'Éducation nationale. Le jour même, elle a apparu à la télévision pour dire, demain, tout reprend. Les gens qui ne veulent pas aller à l'école, les gens qui ne veulent pas aller au travail et tout ça, il y aura un pointage. Donc, je pense que en devenant indépendant, entrepreneur, en ayant cette mentalité de commencer à se dire, l'État ne va pas me tuer avec la tension, la crise cardiaque et autres, mais moi, je vais essayer de m'en sortir au moins à mon niveau avec ma famille et le peu que je reçois en plus, ben, des bons de caisse et tout ça, ça va m'aider peut-être pour les médicaments ou mettre à côté. C'est ça l'idée. La bienheureuse du terroir, on va revenir sur un élément que tu nous as transmis, la situation actuelle. Tu dis dans ton document que nous passons en ce moment même en antenne, ce qui caractérise la situation actuelle, c'est vraiment l'importation massive, hein. Voilà, tu cites un peu les produits que nous importons, le piment, la tomate, le manioc. Alors, on importe le piment, c'est vrai qu'on pourrait le faire nous-mêmes, la tomate, le manioc. Et puis tu nous dis qu'on consomme à outrance les produits des boîtes de conserve de type macédoine ou des boîtes de tomates, etc. Donc en clair, tu nous dis que non seulement on ne mange pas, non seulement on ne produit pas bien notre nourriture, mais en plus on mange mal, quoi. C'est ce que tu nous expliques. C'est pire que de mal manger. On s'empoisonne. C'est un génocide silencieux, notre alimentation, Malcolm. Je veux vraiment que les Gabonais comprennent qu'ils se suicident eux-mêmes, ils tuent leurs enfants, ils tuent leurs femmes avec cette alimentation. C'est juste pas normal. Il faut voir la recrudescence des maladies telles que le cancer, la constipation, tout ça. Est-ce que les gens savent aujourd'hui, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de ce genre de maladie, même l'hypertension, que du temps des années 60.
On n'entendait pas parler de toutes ces choses. Et nos vieux, ben, ils vieillissaient plutôt bien. Alors, ils avaient des maladies que l'on connaît dans nos langues, qui sont liées, c'est vrai, à des vers intestinaux, à des parasites, l'arthrose, donc les problèmes articulaires, aux articulations, là et tout. Le cube magie, on l'utilisait pas avant. Avant, on cuisinait avec le sel indigène. Est-ce que les Gabonais savent que le sel indigène a un pH basique et qu'aujourd'hui, la recrudescence des maladies est favorisée parce que notre environnement dans notre corps est plutôt acide, on fait une acidose. Et le sel indigène est basique. Donc, quand vous mangez quelque chose avec le sel indigène, ça va vite pourrir dans votre ventre avec les sucs gastriques. Et ça rééquilibre le pH de votre corps. Mais ça, j'ai prévu de parler de ça dans un autre live pour se réapproprier notre médication. Et pour l'instant, vraiment, Malcolm, pour aujourd'hui, on va rester sur l'alimentation au sens de l'autosuffisance alimentaire. Et puis, ça va venir qu'on va parler des grandes cultures qui peuvent faire des Gabonais des milliardaires, des multimilliardaires. On importe pour un minimum de 16 milliards de francs CFA par an de piments. De piments, de tomates, et nous sommes en train de subir le dictat. C'est-à-dire, quand ça va pas bien au Cameroun, mais au Gabon, on est affamé, quoi. Alors, la bienheureuse du terroir, je vois où tu veux en venir, mais les Gabonais, ils sont habitués à leur boîte maquerel, hein? Delma et Del Monaco, je ne me rappelle plus là. Il y a des célèbres marques qui inondent tous les étalages des Aoussa, comme on dit au pays. Mais alors, comment on va faire? Comment on va faire? Le défi est immense. Le défi est immense. Comment tu comptes organiser déjà cette mission que tu t'es assignée de faire comprendre aux compatriotes qu'on peut y arriver autrement? Comment tu comptes Ok. t'organiser? Quelle est l'organisation que tu essaies de mettre en place? Voilà. Par rapport à l'organisation, pour commencer, j'ai une page d'information publique, la Bienheureuse du Terroir, avec un petit dé. Ça, c'est la page publique. Chaque jour, je mets des astuces, astuces vidéo qui vont parler aux gens. Qui vont parler aux gens comment fabriquer, par exemple, telle chose pour optimiser l'espace, comment faire, il y a ça. Ensuite, dès le mois de février, je suis en pleine période de recrutement, c'est pourquoi je multiplie ces lives, parce que je veux que les gens viennent à moi, les personnes qui sont intéressées. On va faire des groupes, je commence avec 70 personnes, aujourd'hui on est à peu près une vingtaine, ce qui est encore peu. Je veux faire des groupes de 70, pardon, un groupe de 70 personnes. Le mieux, c'est d'atteindre quand même 120. Et puis, faire des sous-groupes de 7 personnes. Et chaque groupe de 7 personnes aura un objectif de résultat à terme. C'est-à-dire que je vais faire comme on travaille au cabinet d'études. On va se dire, ces personnes se mettent ensemble elles-mêmes par affinité, donc dans d'une problématique agricole. Si elles sont là pour se faire de l'argent, elles choisissent la culture qu'elles veulent faire. Si elles ne savent pas, elles sont dans le groupe. Et puis on va voir. Il y a d'autres, c'est vraiment pour apprendre à produire telle ou telle chose. Mais chaque mois, on aura une réunion avec tous les groupes. Et chaque groupe doit dire les avancées. C'est-à-dire, nous, on a eu ce mois, pendant ces 4 semaines, on a travaillé sur ceci, cela. Et ces groupes-là ex vont exister pendant 6 mois. À partir de 6 mois, on veut mettre des choses en place au Gabon. Et quand je travaille, en général, c'est pratique. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de prendre l'avion ou quoi que ce soit. Les Gabonais qui me demandent aujourd'hui mon expertise en ligne, qui veulent bien avoir leur potager, c'est complètement gratuit. Et il y a d'autres qui se proposent, tu n'as pas un groupe, on veut se joindre à toi, tout ça. Donc, ces personnes-là, je vais les mettre dans des groupes. Voilà. Et puis, elles vont travailler ensemble et il y aura un lien avec les personnes qui sont au Gabon. Donc, dans un même groupe, on peut trouver des personnes qui sont au Gabon, une personne qui est en Australie, qui est aux États-Unis, qui est au Canada, en France. C'est comme ça. Elle, c'est la problématique qui va intéresser. C'est la problématique. À partir de là, les gens vont voir que effectivement, on n'a pas besoin de l'État parce que nous, par exemple, moi là, je viens d'Okandja, ok? Ma famille est de là-bas, ma maman est décédée, mais elle a laissé des plantations. Dans nos familles, en général, c'est comme ça. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre ça.
D'accord? Et puis, cette personne-là, quand elle va l'investir là-bas, si quelqu'un d'autre d'Okandja veut venir nous empêcher de faire nos plantations, ça va se régler entre gens d'Okandja. Et la police n'aura peut-être même pas à intervenir. Ça va se régler entre nous. Donc, ce que je voudrais à terme, c'est que dans chaque province, on retrouve des grandes fermes ou des grandes coopératives agricoles mises en place uniquement d'une initiative citoyenne. Et comme ça va aussi lutter contre l'exode rural. Ramener les gens à repartir en province parce que c'est en province qu'il y a la nourriture, c'est en province qu'il y a la sécurité également. Alors, c'est très bien, c'est très intéressant tout ça, la bienheureuse du terroir. Je pense que ça mériterait vraiment qu'on approfondisse hein, les sujets que tu es en train d'aborder là ce soir avec nous. Et c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde qui suivent l'émission. Quand on invite le général du MAPAN, ils sont 600. Quand on invite la bienheureuse du terroir, ils sont même pas 25. Donc, ça, c'est dommage. Mais. Il faut bien commencer par quelque chose de la bienheureuse du terroir. Et moi, j'ai envie de t'accompagner dans ce travail que tu es en train de faire parce que, effectivement, je suis convaincu que non seulement on mange mal au Gabon, non seulement on mange mal, mais qu'en plus, on ne fait rien pour arriver à produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et je pense que nous pouvons produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Je suis quasiment sûr que la plupart des habitants, des gens qui vivent à Libreville par exemple, des enfants qui ont grandi à Libreville, mais je suis sûr et certain que beaucoup d'entre eux ne savent même plus à quoi ressemble un poulet vivant. Hein, un poulet vivant, ils savent plus à quoi ça ressemble. Ils ne savent que le poulet, ils ne voient que le poulet qu'on voit dans les congélateurs des comment dire ça des marchands hein, tout simplement. Est-ce que c'est comme ça que nous comptons vivre sur notre petit Gabon? Effectivement, je crois que le sujet que tu es en train de lancer est un sujet absolument fondamental. Et ce sujet-là, il est actuellement en discussion dans les autres pays du monde hein. Je vois qu'ici, par exemple, en Europe, on est en train de discuter sur le retour au local, parce que la manière dont on se nourrit aujourd'hui crée trop de problèmes. Lorsqu'on mange de la viande, il faut l'importer d'Angleterre, mais parfois il y a eu des scandales sur la viande qui venait d'Angleterre. Et nous, au Gabon, on nous vend du poisson, on ne sait même pas d'où ça vient. On nous dit que ça vient d'Argentine, parfois on nous dit que ça vient d'Angola ou dans d'autres endroits. Le Gabon a 800 km de côte, mais. Je peux pas vous citer le nom d'une seule entreprise qui a été créée par des Gabonais et qui vend du poisson à la population gabonaise. Je suis incapable de vous dire, c'est terrible. Avec 800 km de côte, avec tout ce que nous avons comme don, que la terre, les produits de la terre sont possibles au Gabon sans forcer la dose au niveau des engrais. Et malheureusement, on n'utilise pas tout ça en fait. C'est vraiment dommage. Oui, Zita Lavor qui nous suit actuellement. C'est dommage. Les Gabonais devraient s'intéresser à ce sujet. Nous sommes bien d'accord. Parce que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est ça. C'est comment on fait pour se nourrir à l'heure où des gens traversent la Méditerranée et se noie dedans d'ailleurs. Ils ne traversent Oui. plus. Ils se noient dedans parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas manger en Afrique. Exactement. Il y a quelque chose, c'est que nous devons nous dire, c'est pas seulement manger, mais on doit maîtriser ce que nous mettons dans notre corps. Il y a Hippocrate, je pense, qui disait, la première médecine, c'est ton alimentation, c'est ta nourriture. Vous savez, les gens qu'on appelle les Calabars au Gabon, le poisson qu'on voit là, c'est un peuple, c'est vrai, qui est de pêcheurs à la base. Au Gabon, il y a des peuples de pêcheurs, les Bakota, d'où je viens, on sait que les Bakota, ce sont des pêcheurs. Vous allez du côté de l'Ambaréné, vous allez les trouver. On a déjà des niches qui sont là que si on travaillait seulement avec nos différentes ethnies, les forces de chaque ethnie, on arrivera à nourrir tout notre pays de bout en, de long en large de l'Ogoué. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur d'eau, qui connaissent les poissons, qui savent comment pêcher naturellement. C'est déjà même inscrit dans leur ADN. Et ce sont des personnes qui. Moi, je me souviens dans mon village, je partais à la CB, mais moi, je voyais mes voisins, Bakota, ils jetaient les enfants dans l'eau. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que ça me faisait peur, mais eux, ils grandissent comme ça, ils traversent et tout. Et ce sont de grands pêcheurs. Les Calabas, pour nourrir les poissons,
quand l'un des leurs mourait au Gabon, là, quand j'ai grandi, c'est le corps de celui qui était mort là qu'on donnait à manger aux poissons. Ces poissons-là, qu'après on allait nous revendre à nous. Mais moi, dans ma tradition, le cannibalisme est complètement interdit. Donc, je ne peux pas manger un poisson, prendre plaisir à manger un poisson, que je sais que la tradition de nos pêcheurs, des pêcheurs Kalaba, c'est celle-là. Est-ce que, Malcolm, tu m'entends quand je parle de... On t'entend très bien, on te reçoit et je pense que le message que tu portes ce soir est apprécié. Et vraiment, je demande à nos auditeurs de se rapprocher de toi, ceux qui sont intéressés par ta démarche, pour que justement tu puisses arriver au nombre de personnes que tu souhaites pour commencer à monter des projets. Alors on arrive petit à petit à la fin de l'émission. On va parler maintenant de ces fameux groupes que tu souhaites constituer. Alors, comment on fait pour te contacter concrètement? On a bien vu que tu as une page, etc. Mais voilà, donc il faut aller sur Facebook. Mais tout le monde n'a pas Facebook, Esther. Tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde a peut-être non, Messenger, qu'est-ce que je peux dire? J'ai un email, mais si la personne n'a pas Facebook, elle aura un email, pourquoi pas? L'email, c'est juste yes, we know, at gmail.com, tout en minuscule, yes, we know 241, at gmail.com. Ok. Donc les gens ont pu noter, hein. Alors comment les gens qui te contactent, il y a des gens qui sont au Gabon, qui sont dans les provinces, qui sont dans les villages, qui t'ont contacté parmi les 20 personnes que tu as déjà réussi à regrouper? On est 27, donc il y a beaucoup de personnes qui sont à la capitale. Voilà. Et puis pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de personnes en province au Gabon. Donc ça montre bien qu'effectivement, bon, l'une des problématiques de la faim, c'est quand même dans les agglomérations. Et ça peut aussi être le souci d'Internet. Donc là, il y a plusieurs personnes qui sont à Libreville. Il y a d'autres qui sont en France, aux États-Unis. Donc c'est France, États-Unis et Libreville. D'accord. Alors, Sampali Victoire avait une autre question à te poser. Oui, la bienheureuse. En fait, vous avez une très bonne intention, mais juste que comment vous comptez en fait ramener cette population qui... ramener cette population qui est partie déjà de la zone rurale pour la ville, en espérant avoir un travail dans l'administration. Comment faire pour le ramener en zone rurale, cultiver, faire comprendre à ces gens qu'ils peuvent vivre d'une culture vivrière, vu que l'État... à laisser pour compte la culture, l'agriculture en fait. Ce sera un peu Oui. compliqué comme défi, hein. Oui, en fait, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est des mots pour l'entendement gabonais qui font lever. C'est Oui, j'ai impossible. pas dit que c'est impossible, mais voilà, C'est si. compliqué. Rien n'est compliqué. C'est juste savoir comment on va déplacer cette montagne. Rien n'est compliqué. Et tout ça, vous allez voir que en nous, êtres humains, nous sommes tridimensionnels. Nous n'explorons pas suffisamment notre génie créateur. Et nous allons sortir des situations. C'est ça en fait. Donc, quand je parle de ramener cette population, et c'est une très bonne question parce que c'est complètement ce que nous vivons aujourd'hui, les gens sont partis et la majorité de la population libreville est dans des bidonvilles. En 2014, j'étais au Gabon, c'était la dernière fois que j'ai mis pied là-bas. J'ai fait d'Ngandié jusqu'à Ovando, de part et d'autre, vous voyez que les faux quartiers. Même les cités dans mon enfance qui étaient rayonnantes comme la cité Mébiane, cité de la Caisse, c'était en train de devenir des... C'était quoi ça là? C'est en train de devenir n'importe quoi. Ça ne brillait plus comme avant. Et donc, on comprend de essayer juste de faire d'Ngandié à Ovando, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de bidonvilles à Libreville que de quartiers résidentiels qui soient bien. Et l'une des premières dépenses dans un foyer, après le loyer, quand les gens sont des locataires, là, c'est vraiment la nourriture. La nourriture, c'est vraiment quelque chose. Donc,
Pour arriver à ça, à attirer les gens en province, c'est un programme qui ne s'arrête pas uniquement à l'autosuffisance alimentaire, ça va jusqu'à l'insertion. D'accord? Moi, je parle, l'autosuffisance alimentaire fait partie du phénomène de réappropriation de notre environnement au travers de l'alimentation, de la médication et du logement pour finir sur le recyclage. Donc, moi, je travaille sur l'économie circulaire. Comme j'ai dit, dans ma tête, je vais étape par étape et je ne veux perdre personne. Quand ça va arriver au niveau du logement, je vais vous montrer comment des Gabonais peuvent se mettre ensemble pour faire des logements sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire, même à distance, on prend un architecte ou voilà, on forme la personne, on lui donne les plans, tout ce qu'il faut. Il paye seulement l'intervenant, tout ça. Ça peut se faire en groupe, sous forme de chantier écologique, comme on en a fait en France. Et puis, vous vous mettez ensemble. Un coup, vous construisez la maison de l'autre. Après, vous allez construire la maison de l'autre avec des matériaux locaux. Et on va comprendre à la fin que, donc, c'était possible de bien se loger au Gabon, de respirer un air vraiment bien propre, sans climatisation, sans ceci, en respectant des choses. Mais ce ne sera pas pour ce live, ce sera pour le pilier du logement, en fait. Et les personnes auront des prix préférentiels lorsqu'ils veulent aller installer leur maison en province. À part ça, moi, dans mon parcours universitaire, donc j'ai étudié l'économie sociale et solidaire, les politiques de la ville, la cohésion sociale, l'intervention sociale, spécialisée au ministère de la Défense, je faisais de l'insertion socio-professionnelle. Aux États-Unis, avec l'UNHCR, c'était l'insertion professionnelle encore des réfugiés statutaires, demandeurs d'asile et sans papier. Donc, moi, votre sœur, je ne vais pas rater de faire des choses Oui, et que vous êtes depuis sûr que... 2008, je fais Pardon. avec d'autres nationalités et ça réussit. On va créer de l'emploi. Rien que là, en parlant de l'autosuffisance alimentaire, si des Gabonais m'écoutent, ils peuvent se dire, ah, ce qu'elle pose sur sa page pour fabriquer avec le bois là, les bacs là simplement pour mettre la terre dedans pour ceux qui n'ont pas la place, on va là à la menuiserie, on va le bricoler et on va les vendre. Ça va faire déjà de l'emploi. Ils peuvent se dire, nous, on va se spécialiser dans la fabrication des serres ou juste des bungalows. Ça va leur faire de l'emploi. D'autres vont dire, pour ceux qui ne veulent pas jardiner, moi, je me propose de le faire pour vous et vous aurez votre nourriture. Vous me payez mes 50 000. Il y a peut-être d'autres personnes dans votre rue qui vont le faire. Et moi, je passe là 2 fois par semaine seulement pour voir à quel état se trouve. Donc, ça, c'est de Oui. l'emploi. Et tous Ça ces crée de projets, vous êtes l'emploi. sûr que ce sera sans un droit de regard de l'État? Donc, Je ne vois ce pas sera. comment l'État va venir dans votre maison vous interdire d'embaucher un Gabonais pour entretenir votre potager. Je pense que vous donnez à l'État beaucoup trop d'importance et ça devient comme un peu le iceberg. Mais moi, j'ai appris quelque chose même dans ma formation du mental. C'est que c'est derrière la peur que se trouve ton bonheur. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir enlever ces peurs-là. C'est derrière la peur. Si tu as peur de quelque chose, au lieu de fuir ça, affronte ça. Et on donne trop, on a tellement invité l'État dans notre vie, même intime, que je suis sûre que les gens, même au chevet de leur lit, continuent à parler de politique. Et eux, ils sont même susceptibles d'avoir des attaques cardiaques, de mourir, et l'État va continuer. Moi, quand j'invite des gens chez moi à domicile des intimes, et qui commence à me parler Ali Bongo, je dis non, non, non. Ali Bongo, il a suffisamment pourri la vie des gens. Il ne va pas venir pourrir notre moment intime et notre dîner de ce soir. Donc tu m'enlèves Ali Bongo de la bouche. On a d'autres choses à parler. C'est comme ça. C'est une discipline mentale. En tout cas, merci. Oui, une autre D'accord. question peut-être, sans parler de victoire, et après on va Non, non, je voulais conclure. juste dire que, en fait, la fonction régalienne de l'État, c'est vrai qu'on doit faire notre part, bah, l'État aussi doit faire sa part. C'est l'État qui doit impulser, en fait, cette tradition de la culture. Bah, ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, hein. Je suis désolée, quoi. Oui, Non, c'est pas le l'État. paysan Le a développement son des pays. jardin, mais quand on parle d'autosuffisance alimentaire d'un pays, on parle alors là de l'agriculture à grande échelle. Et Dans ça, les on ne concepts sait pas comment d'économie, tous l'État, les on peut pays ne mettre se sont l'État en pas dehors de développés en ça. partant de l'État. Les On pays va vont laisser se Labienne développer Heureuse en répondre. partant d'une initiative simplement citoyenne. Il y a des pays qui existent aujourd'hui encore. L'État n'a pas eu besoin de leur dire,
planter un potager, d'avoir un potager derrière chez eux, parce Mais vous que c'est dans parliez leur tradition de la déjà. politique de la PAC. La PAC, bah, ce sont des États qui se sont Mais mis ça, en c'est fait ce qu'ils ont des choisi et ça politiques. ne fonctionne plus. C'est complètement obsolète. J'étais dans ce système quand j'étais agricultrice en France. Ça ne fonctionne plus. Ils ne savent plus comment lever la PAC et faire en sorte que les agriculteurs français, ça, c'est tellement un débat dans lequel je ne vais pas rentrer là, là, là. Mais je veux dire, chaque État doit s'adapter à son environnement. Eux, ils ont choisi leur chose en pensant peut-être que dans les 20 ans, 30 ans, c'était super. Ok, ça a pu marcher pendant un temps. Nous aussi, on doit s'adapter. On doit s'adapter à nous, pas chercher à copier parce qu'il y a eu la PAC ailleurs. On doit étudier, c'est quoi la sociologie gabonaise? Voici ce que l'on doit faire pour adapter les choses. Les Oui, bien pays sûr, c'est que qui, le but, dans c'est pas les de... colons, par exemple, la Grande-Bretagne n'a pas colonisé ces pays, les pays, ces colonies, comme la France l'a fait. Il n'y a pas eu une grande rupture épistémologique entre comment l'Indien était avant que la Grande-Bretagne arrive et après. Vous allez partir au Ghana, il y a encore des royautés. Vous allez le voir que dans les pays anglophones, au Kenya, ils ont encore cette culture excusez-moi de me répéter, de la culture. Donc, on n'est pas venu casser parce que nos ancêtres avaient du bon sens, ils étaient déjà attachés à la terre et les gens qui sont venus les coloniser n'ont pas fait de toutes les colonies des bureaucrates. Merci en tout cas la bienheureuse du terroir. On arrive maintenant à la fin de notre émission. Hein. J'avais promis que l'émission ne durerait pas plus de 40 minutes parce qu'il faut que les gens qui sont au Gabon puissent regarder. Et les formats de 2 heures, c'est juste impossible. Il faut charger 20 000 francs pour suivre une émission. C'est pas possible. Donc il faut que les émissions soient un peu plus courtes, notamment ces émissions-là où on essaye de donner des moyens. Aux gens, des moyens aux gens de fabriquer eux-mêmes leur nourriture, de fabriquer eux-mêmes leurs moyens d'existence. Et c'est, je pense, le but que la bienheureuse du terroir s'est donné. Alors, donc, on arrive à la fin de l'émission. La bienheureuse, c'est le mot de la fin. On te réinvitera parce qu'on n'a pas tout développé. C'est très immense. Tu as parlé d'économie circulaire. Il y a tout un tas de choses qu'il faut regarder là derrière. Il n'y a pas que la question de la culture auquel tu t'intéresses. Donc, on va bien évidemment te réinviter sur Résistance TV pour discuter des autres sujets. Alors, donc, on arrive à la fin. Donc, quel est ton mot de fin déjà sur ce premier sujet que nous avons abordé ensemble sur l'autosuffisance alimentaire. Alors, mon mot de la fin à tous les Gabonais du Gabon et de l'étranger, c'est que l'impossible n'est plus une limite. L'impossible n'est plus une limite. L'impossible n'est plus une limite. On nous a D'accord. caché plein de choses. Moi, je viens juste les montrer et puis on va contribuer ensemble à ce que les choses qu'on pensait que c'était établi, on ne peut pas changer. On va faire comment? L'immobilisme, en fait. C'est dans nos têtes qu'il y a l'immobilisme et puis on est comme ça, on n'avance pas. Comme non. Donc, grâce à la vérité, à la connaissance, il faut savoir que on prend conscience comme ça et l'impossible n'est plus une limite. Abonnez-vous à ma page publique et vous verrez chaque jour, vous aurez des sujets, des choses et vous allez voir comment même des Parisiens font pousser la nourriture à leur balcon dans un endroit qui est pollué où, il n'y a pas de terre, mais au balcon, ils mettent dans les seaux et puis ça pousse et voilà. Il y a plein de plantes. Vous n'avez pas besoin d'acheter des graines. Ce que vous mangez, vous recyclez les graines. Tout ça, je vais mettre des vidéos qui vont parler aux gens sur la page publique. Donc notre seule limite, c'est notre imagination, bien évidemment, hein, c'est notre seule limite. Je suis d'accord avec toi sur ce point et je m'engage à te réinviter sur Résistance TV pour discuter de ce sujet qui concerne l'autosuffisance alimentaire, mais plus globalement aussi de l'économie circulaire qui m'intéresse beaucoup. Ce sujet m'intéresse vraiment beaucoup et donc on va revenir là-dessus. Esther, la bienheureuse du terroir, merci d'avoir accepté notre invitation sur Résistance TV. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Les portes de Résistance TV te sont ouvertes. On va avoir une autre émission ce soir. Hein, la soirée est chargée ce soir. Hein, on va avoir une autre émission dans 15 minutes, même pas dans 10 minutes maintenant. Et notre prochain invité, ce sera Monsieur Stéphane Zeng. Monsieur Stéphane Zeng, qui est activiste.
En tout cas pour la partie qui concerne le combat militant des droits de l'homme. Stéphane Zeng, analyste de la situation politique au Gabon, il sera notre invité dans 10 minutes. Restez connectés sur Résistance TV et ensemble, on va essayer de comprendre une chose. Est-ce que Marie-Madeleine Mbonsoir est devenue l'ennemi public numéro 1, la femme à abattre? Voilà le prochain débat sur Résistance TV, c'est dans moins de 10 minutes maintenant. On va passer le générique de fin et on te remercie, Esther la bienheureuse. Sans Pali Merci Victoire, Victoire, merci Malcolm. qu'est-ce que tu as pensé de notre invité? Elle t'a convaincu, pas du tout? Non, elle m'a convaincue, franchement, l'idée est louable. Parce que voyez-vous, pendant 40 ans, l'État, avec le boom pétrolier, a en fait laissé pour compte le secteur de l'agriculture. Et ce qui a développé, en fait, chez le Gabonais, cette envie de toujours vouloir être dans l'administration, dans le bureau. Et en fait, l'État a contribué à dévaloriser ce secteur. Or, c'est un secteur qui est très lucratif. Et c'est une idée louable aussi dans le sens où bah, c'est un rappel à la culture, hein. Un rappel à la terre, qu'on doit prendre conscience en fait que tout part de la terre en fait. Tout part de la terre, la vie, bah, tout part de la terre. Et puis on doit revaloriser ce secteur. Et j'espère que les jeunes prendront conscience de l'importance du retour à la terre. C'est louable comme démarche. Merci, Merci. merci à tous. Merci la bienheureuse du terroir. On se retrouve donc dans quelques minutes avec Stéphane Zeng. Je vous laisse avec le petit générique de fin, Dictature inavouée, Titan Zébi. Merci à tous. Dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, ouais. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais. S'applique.